Je m'appelle Claire, j'ai 22 ans et je fabrique mes cosmétiques moi-même. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. J'ai décidé de porter mes cheveux afro et de me tourner vers des soins naturels pour en prendre soin. À mesure que je cherchais en fait chez des détaillants, des professionnels, des grandes surfaces, je me suis rendu compte que l'offre pour les cheveux crépus, mais aussi pour les peaux foncées, était quasiment inexistante. Pour moi, c'était complètement surréaliste de se dire qu'on peut trouver des appareils de beauté dernière technologie ou qu'on peut commander des soins en ligne personnalisables, alors qu'une communauté entière, en l'occurrence la communauté africaine, n'était pas considérée par les marques de beauté existantes. On parle quand même du secteur qui compte le nombre le plus important d'exportations mondiales après l'aéronautique. Donc m'est venue l'idée de créer ma marque Kyo Cosmetics. Une marque de soins naturels à destination des peaux mates, métissées, foncées. Aujourd'hui, Kyo Cosmetics, c'est une communauté en ligne qui partage la vision et les valeurs de la marque. C'est une gamme de soins pour le visage qui sortira très prochainement. Et c'est avant tout un profond désir de révéler la beauté des peaux foncées et de sublimer leur écrin charnel. Dans les mois à venir, mon principal défi sera de lancer la commercialisation des premiers produits. Et si vous voulez suivre nos actualités et me soutenir dans le projet, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram, kyo-cosmetics.